それは人ならざる身にして冥道を歩む者厄災。Salut tout le monde, c'est Warconix et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo live réaction. Vermeil in Gold a eu son premier EP. Alors, pour vous dire, en ce moment il n'y a pas beaucoup d'animes qui sont potentiellement intéressants. Mis à part ceux qu'on a en ce moment, c'est du ecchi. Là, il est déconseillé au moins de 16 ans, donc c'est quand même pas rien. Public averti encore une fois, mais voilà. Il y a pas mal d'animes qui vont arriver. Il y aura une liste en commentaire épinglé. Les trois principaux, une liste de 3 ou 4 de ceux que vous allez avoir sur la chaîne. Bien entendu, il y aura d'autres qui vont être mis sur la chaîne. Pas que du ecchi, bien entendu, hein, parce que c'est pas le but de la chaîne. C'est juste que il y a que ça, entre guillemets, pour le moment. Et les autres ne m'intéressent pas potentiellement. Allez. Vermeil in Gold. Voyons voir ce que ça donne. Pour un premier EP, est-ce qu'on va en faire juste une découverte et je regarderai de mon côté. Est-ce que vous voulez la suite? Il faut me le dire également. Et puis voilà. Si c'est moins de 16 ans déjà, c'est que c'est... Voilà. Pour le regarder, vous pouvez le regarder légalement sur ADN. Voilà, avec un abonnement de 6,99 par mois. Et ensuite, vous avez... la possibilité de le regarder sur d'autres plateformes, ça c'est à vous de me demander, je vous le donnerai avec grand plaisir. Voilà. Waouh. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'avais regardé un teaser, pas de trailer, un teaser. Et franchement, je sais pas vraiment de quoi ça va parler. Est-ce que je vais être encore surpris? Après là, c'est vraiment marqué moins de 16 ans, c'est pas marqué moins de 12 ans ou moins de... Déjà rien que l'opening, ça nous annonce la couleur. Mais en tout cas, moi, je vous dis une chose. Je sais pas si là, vous allez être encore là sur la vidéo. Vous aurez pas mal de réactions sur d'autres animes, peut-être anciens, qui peuvent être intéressants à regarder, qui ne sont pas sur YouTube, avec une réaction et tout ça. Si vous avez des conseils, des idées, n'hésitez pas. En espace commentaire, ça fait aussi extrêmement plaisir. Juste regarder un truc. Ok, c'est bon, on n'entend pas. Ok, donc déjà il y a un peu de la magie. Wow. Alto. Tu ne peux pas passer en deuxième année sans contrat avec une créature. Mais quoi? Invoque ce que tu veux. Oh non. Si tu n'as pas de contrat, au conseil professionnel, je te ferai redoubler à regret. Putain. En tout cas, l'anime est putain beau. Ah, Lia. Ok, Lilia. Et lui, c'est du coup Alto. Du coup, comment ça se prononce, du coup? Alto. Aito. Ok. Ok. En tout cas, l'anime a l'air plutôt joli. On a quand même un bon studio d'animation. Je vous ferai des live reactions hein, sur des anciens animes. Je sais pas, Sword Art Online, vu qu'on n'a pas sur YouTube. Je sais pas, Danmachi, on a aussi Darling the Friend, j'en avais parlé. Il y a peut-être ReZero. Il y a pas mal d'animes que je peux faire en réaction. Je sais pas. C'est à voir, c'est à vous de voir. Mais il n'y aura pas que ça sur la chaîne. C'est juste que là, je peux pas faire autrement. Je n'ai pas d'écran. Ok. Bah, tu vas choisir une soubrette du coup. Ou un démon, encore mieux. La vocation est une affaire d'affinité. À la limite, j'ai plutôt intérêt d'appeler une espèce rarissime. C'est sûr que celle que tu vas invoquer. J'attends beaucoup aussi l'anime Mashle, Chainsaw Man. Je les attends beaucoup. C'est des animes quand même qui vont être intéressants parce que...
Là, c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas vraiment d'anime intéressant. Si, on en a eu quand même, hein. Mais en ce moment, c'est que du ecchi, hein. Faut pas se mentir. J'attends aussi le film Kaiji. Il y a le film Sword Art Online qui est sorti. Il y en a pas mal quand même. D'invocation. Moi en tout cas, je suis bien content. On atteint bientôt la barre des 300 abonnés. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à mettre un petit like. Je le demande pas souvent. Mais là, je me dis pourquoi pas. Si je le fais une fois tous les 3-4 vidéos, ça peut être sympa de demander de temps en temps. Vu que je suis pas quelqu'un qui demande des likes. N'hésitez pas, ça prend vraiment une seconde. Et ça change la donne. Ok, la vocation. Il y a Call of Night aussi qui est pas mal. Qui m'a l'air pas mal aussi. J'ai pas tous les noms en tête des animes, mais je les mettrai en description, ne vous inquiétez pas. Vous aurez un synopsis bien entendu aussi pour l'anime. Ok, des cornes. Je suppose que on sait, hein, je sais. Oh, c'est un démon. C'est Tower Love. Oh putain. Des jeux des yeux. Qu'est-ce que j'ai inventé? Une fille à poil. C'est ça qui te choque le plus. Voilà, t'es. Dis-le. Hein. Oh, non, je veux pas. Waouh, ce que je veux de sa part. Waouh. Moi? Elle s'attendait de tout sauf à ça. C'est comme une génie et tout ça. Cette intensité de mana. Ah, le mana, c'est un peu comme la magie, hein. Donc, soit ce sera une découverte, soit il y aura les autres EP, je sais pas. C'est à vous de voir. La marque des contrats. Yes! Je me le suis emporté. Ok. Le pacte est conclu. Ok. Maintenant, habille-toi. S'il te plaît. Pour le bien du YouTube, habille-toi. Toi. Là, c'est compliqué. Tu veux pas t'habiller? Tu es merveille. Un démon de la. Ok, j'ai pas le temps. Ouais, ravi de te rencontrer. Hein. Ouais. Va pas plus bas, s'il te plaît, ta main, s'il te plaît. Oh là là. Il fait déjà assez chaud dehors. Merci. J'attendais ce moment. Tu me préfères vêtu? Bah ouais, pour la monétisation. Hein. Allez, mets la robe de ta sœur. Voilà, t'es content? C'est encore pire, je suis sûr. Oh putain, c'est encore pire. Oui, c'est mieux comme ça. Oh, bah, il fait déjà chaud. C'est chaud quand même. Putain, il est tout petit. Il est grand. Ah,
Bah, visiblement, oui, t'as été invoqué par un gamin. S'il y avait des propositions d'anime, hein, moi je suis preneur. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup de mana en lui, mais il s'en rend pas compte. Ah, d'accord. Peut-être même trop. Ok. Moustique, s'il te plaît. Dégage. Zinoben, ok. Donc c'est vermil. Parce que le E en japonais c'est ai. Donc vermil. Enfin c'est un i quoi. Une jeune fille maléfique. Donc vermil. Vermeil, pardon. Vermeil. Vermeil in gold. Donc mon familier. Donc ça c'est. Donc le familier c'est pour le contrat pour. Être dans l'école et passer en deuxième année. Ok. Donc, Alto. Elto. Je sais pas comment on dit. Vous me le direz dans ce post-commentaire. J'ai été scellé dans ce lit depuis longtemps. Ah ouais. En somme, tu m'as libéré. Bah, tant mieux. Mais du coup, est-ce qu'elle est maléfique ou elle est gentille? Après, elle a voulu lui faire des gâteries, donc. Oh, j'ai rien dit, YouTube, hein, c'est bon. Oh, le petit curieux. Tu veux savoir pourquoi? Oula, oula, oula. Ivanouable. Mais prendre un démon comme familier. Bah, ton proviseur t'a dit, tu peux prendre qui tu veux. Bon ben. Alto Goldorfin. Oh, elle a un sacré caractère. Pourquoi son contrat est là? Pourquoi? Lydia doit pas être contente. Je sais pas si elle avait un crush sur lui, mais. Donc Alto Goldfield. Ah bah voilà. Voilà, il passe en deuxième année. Félicitations. Et toi? Ça te convient de devenir son familier? Mais puisque toi, on te dit que oui. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Oula, il y a une allusion là. Vous pouvez vous asseoir. Ok. C'est quoi? C'était sûr! C'était sûr! Oula. Elle est jalouse. Elle a pas tort. Transvase-moi ton fou. Lilia. Tu prends la porte. Oh la vache. Une heure de colle. Incroyable. Alto. N'inverse pas les rôles. Qui est donc cette donzelle? Cette donzelle carrément.
Ah bah voilà, au moins comme ça, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est mieux qu'elle dissimule quand même. Oula. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Affrontons-nous. Quoi? Comment ça, tu me provoques en duel? À l'académie. Putain, un petit article 7. Pourquoi toujours? Le règlement de l'académie Ortigia. Tout conflit entre élèves se règle harmonieusement par un duel. Ouais, comme dans Yu-Gi-Oh! GX. Putain, c'est quoi ces boobs? Relève le défi. Oh là 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 là, on dirait Jubia qui perd sa... Une rivale. Oula, ils sont où là? Wow, c'est pas un peu grand? Ça a l'air d'être intéressant quand même. Après, en vrai, le Etchis, c'est pas que c'est dérangeant. C'est juste que. On va dire que ça peut niquer certains trucs. Mais personnellement. Waouh! 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 C'est impressionnant! Vous aimez vous? Moi j'aime bien. Wow. Non. Je te demande pas ton avis. Fais-moi un peu confiance. Tu es mon maître. Ok. Elle va nous faire une attaque. Ou alors elle a fait un truc, je sais pas. Non, non. Oula. Non, non, elle a rien su. J'ai cru qu'elle avait perdu ses vêtements. Alto, t'es un peu bas là. Oui, t'es un peu bas. Oh. L'attaque est finie. À mon tour, ravissante demoiselle. Je peux pas y faire écouter ça sur YouTube. Ce sera coupé. Qu'est-ce que... Oula. Oula. Mais elle a pas utilisé de la magie. Préserver ma bouche, mais quoi? Mais si elle a fait... Je ferai tout ce que tu voudras, j'ai pas le choix. Ça a pas l'air de te déplaire. Ouais, ça a pas l'air de la déplaire. C'est tout? J'avoue, elle a rien fait.
Dans leur tête, c'est en mode je vais te cramer. Ça t'engage. Dommage qu'on n'a pas vu ce qu'elle lui a fait. Mais bon, vu les gémissements, pourvu que ça se passe bien. Ah là 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 là. Ok. J'avoue. En vrai, c'est pas de sa faute, hein. Le mana. Mais pourquoi le mana il est forcément là? Sans toi, j'aurais du mal à me maintenir d'après moi. Donc du coup, en gros, le mana l'aide à se requinquer, entre guillemets. Mais du coup, il a une grosse magie ou pas, Alto? Parce que là, pour l'instant, il a pas le temps... Les autres contractants humains ne résistent pas à notre force. Ils meurent disloqués ou... La magie. C'est l'inconvénient de vendre son âme au diable. Toi, tu as des dispositions pour soumettre les démons. Si tu en as assez. Il y a une méthode plus performante. Non, non, c'est bon. Plus tard. Bon, en tout cas, c'est plutôt sympathique. En tout cas, moi, bah, on verra bien pour le P2, je sais pas si vous le voudrez. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis, c'était Warconyx, n'oubliez pas, longue vie à Fairy Tail, à tous les univers d'anime, à cet anime également, Vermeil, pardon, In Gold. Et puis voilà. Allez, moi, je vous dis, c'était Warconyx, puis à la prochaine!